Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler mode et notamment garde-robe capsule. Mais c'est une garde-robe capsule un peu différente, vous allez voir, parce que quand on évoque la garde-robe capsule, on parle souvent de quelques pièces, 24 pièces, 21 pièces, 14 pièces, ça dépend vraiment de ce qu'on lit. Et ce sont souvent aussi des teintes neutres. Donc on n'aime pas toutes forcément n'avoir que 14 pièces dans sa garde-robe, on n'aime pas toutes forcément que les teintes neutres. Et moi j'ai mis au point ma méthode personnelle pour ma garde-robe capsule. J'en parle beaucoup sur le blog. J'ai d'ailleurs à votre disposition un e-book gratuit qui s'appelle Le Dressing Parfait. Si vous voulez le télécharger, je vous le mets en barre d'infos. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma propre garde-robe capsule pour l'automne, avec des pièces, quelques pièces neuves, mais beaucoup de pièces que j'ai déjà depuis quelques temps. Ça vous intéresse? C'est parti! Je pense qu'une garde-robe capsule, ça doit être une garde-robe qui vous ressemble. Mais le but de la garde-robe capsule, c'est avec quelques pièces de pouvoir créer plusieurs tenues. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter 26 pièces et on va pouvoir créer à peu près 12 tenues avec ces 26 pièces. Mais c'est vraiment ma garde-robe personnelle et c'est justement ce que j'essaie de vous expliquer. Alors j'ai fait un article en parallèle de cette vidéo sur le blog, où je vous explique beaucoup plus en détail le principe de cette garde-robe capsule très très personnelle, parce que pour qu'une garde-robe soit réussie, il faut qu'elle vous plaise et il faut que ce soit la vôtre et pas celle que vous voyez un petit peu partout. Alors avant de commencer et d'aller faire du shopping dans mon dressing, je voulais vous préciser que moi j'ai créé cette garde-robe avec des pièces que j'avais et souvent depuis très longtemps, puisque pour des pièces de base comme un beau blazer ou un beau pantalon, j'essaye d'investir un petit peu et ce sont des pièces que je garde très longtemps. Et puis après, je mets un petit peu de fantaisie, un petit peu de pièces tendance sur des petites choses pas excessives et que je peux garder aussi pendant quelques saisons. Et puis on aime bien changer, c'est tout à fait normal. Donc, comme dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous inspirera, mais vous allez peut-être avoir envie de trouver des pièces que je vous présente et qui ne sont plus d'actualité, j'ai quand même cherché des équivalences et en barre d'infos, je vous mets tous les liens de pièces qui sont un petit peu équivalentes. Alors je suis partie de 26 pièces pour composer plusieurs tenues. Alors quand je dis 26 pièces, je compte les sacs, les chaussures, je ne compte pas les foulards et les bijoux parce que ça ce sont vraiment des petits accessoires qu'on peut trouver facilement et je ne les compte pas dans le nombre de pièces, mais bon après tout le nombre de pièces a peu d'importance parce que vous pouvez très bien avoir une garde-robe capsule avec 10 pièces comme en avoir une avec 50. Hein, ça, après ça dépend du budget de chacune et des goûts de chacune. Donc on va commencer avec ce que je porte aujourd'hui, puisque ça c'est un peu, si j'ose dire, mon uniforme d'automne, c'est-à-dire un jean, un t-shirt et une chemise en jean. Donc cette chemise en jean, vous allez voir que je vais pouvoir la sortir à d'autres choses. Donc le jean vient de chez Maison 1-2-3, je l'ai acheté l'année dernière. La chemise en jean vient de... Enfin, elle n'est pas en jean, c'est une chemise façon jean en tencel. Elle vient de chez Captain Tortue et elle fait partie de la collection actuelle. Donc comme vous le savez, vous allez voir peut-être pas mal de pièces de chez Captain Tortue puisque je suis conseillère mode hein, chez Captain Tortue, donc je m'habille, déjà j'aime beaucoup cette marque et puis je m'habille pas mal chez eux. Et une petite parenthèse, jusqu'à dimanche soir, donc quand vous verrez cette vidéo, ce sera dimanche matin, donc jusqu'à dimanche soir sur la boutique en ligne, vous avez 15 € de réduction pour 99 € d'achat. Voilà, c'est une parenthèse, aucune obligation, mais je vous le dis parce que peut-être que vous ne connaissez pas la marque, donc c'est peut-être l'occasion de la découvrir. Alors, pour commencer la garde-robe capsule, je vais partir sur deux pièces qui pour moi sont indispensables de ma garde-robe d'automne. Ce sont des petits caracos soupeaux. Alors celui-ci, ils sont tous les deux dans des tons un petit peu, ils ne sont pas complètement blancs, ils sont plutôt crés. Ce sont des petits tops en dentelle que je porte énormément sous mes chemises et sous mes pulls parce que je trouve que c'est vraiment très agréable et puis ça complète une tenue. Si vous avez envie d'avoir un chemisier un peu décolleté, vous ouvrez un bouton, vous mettez un petit top comme ça et vous n'êtes pas du tout indécente. Donc moi, pour moi, ce sont deux indispensables de mon dressing. Alors celui-ci vient de chez Etam et celui-ci vient de chez Captain Tortue. Ce sont des vêtements vraiment qu'on lave très souvent et ça n'a pas bougé. Et moi j'aime bien ces tons neutres
parce que justement ça permet d'associer toutes les pièces. Ensuite, j'ai choisi pour ma garde-robe d'automne trois vestes. Donc la première, c'est un blazer bleu marine. Celui-ci, vous avez dû le voir si vous suivez mes vidéos, puisque je le porte régulièrement. Ça, c'est typiquement la pièce que je recommande, dans laquelle je recommande d'investir, parce que ce sont des choses que l'on garde des années. C'est un blazer de la créatrice Danielle Angel. Je l'ai depuis 5 ans. Il est nickel, il n'a pas bougé. Il est bleu marine avec des boutons dorés. Et voilà, je m'en lasse pas. Il est très chaud, il est en laine, il est très chaud. Et je le porte vraiment, c'est ma tenue de prédilection en automne. Alors vous voyez déjà, je le porte avec le jean, bien évidemment, le bleu marine, avec la veste en jean, déjà ça fait une tenue. Et dans les blazers, j'ai notamment aussi conservé pour cette garde-robe capsule d'automne un blazer en velours vert. Alors ça tombe bien puisque le velours revient très très à la mode et très tendance cette saison. C'est un blazer en velours vert que j'avais trouvé il y a quelques années chez Mango et que j'ai porté, il est vert sapin, que j'ai porté pas mal et vraiment je l'aime beaucoup. Alors il va aussi bien avec un jean qu'avec un pantalon plus habillé, un pantalon droit, et je pense qu'avec les chemises que je vais vous présenter, vous allez voir, il va trouver sa place. Ça, c'est une acquisition récente puisque c'est le blouson marron glacé de chez Captain Tortue qui est la pièce phare de la collection cette année. Bon, c'est la première chose que j'ai achetée chez Capitaine Tortue cette année parce que je sais que je vais le porter beaucoup. J'adore ça, c'est un blouson style perfecto en simili-cuir. Et pareil, qui va pouvoir s'associer à énormément de pièces de ma capsule d'automne. Ensuite, j'ai trois pantalons. Donc, j'ai le jean que je porte. J'ai un pantalon bleu marine et j'ai un pantalon beige. Alors ces deux pantalons, le premier c'est un pantalon bleu marine en laine qui vient de la créatrice Danielle Angel également, que j'ai depuis 7 ans et qui n'a pas pris une ride, voilà, c'est de la super qualité. Le troisième pantalon c'est un pantalon beige, camel clair, qui est indémodable, c'est un pantalon droit, je vais vous le montrer. Il vient de chez Gérard Darrel, là aussi c'est un investissement, mais ce pantalon, vous voyez, on a l'impression qu'il est neuf, hein, qu'il sort de la boutique. C'est vraiment, quand je dis sur le blog que ça vaut le coup d'investir dans des pièces de qualité, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que bon, un pantalon beige, on n'a pas besoin d'en acheter un chaque saison. Si on en a un qui est nickel, qui est impeccable, ben, voilà, on n'a pas besoin non plus d'avoir 50 pantalons beige. Et après, moi, je donne de la fantaisie et du renouveau, si je puis dire, avec des petites choses un petit peu moins chères, des chemisiers, un pull, une maille, voilà. Mais pour ce genre de basique, franchement, en investissant dans des pièces de qualité, alors on peut le faire en solde, on peut le faire en seconde main aussi, hein, y a quand même énormément de promotions toute l'année. Et là, vraiment, moi, c'est ce que je prône sur le blog. C'est-à-dire que les pièces de base, comme ce genre de pantalon, les acheter vraiment de qualité. Vous le savez, si vous me suivez, hein, je suis vraiment une folle, comme beaucoup d'entre nous. J'aime beaucoup les mailles, j'aime beaucoup les pulls et j'aime beaucoup notamment les gilets. Donc là, je me suis fait plaisir, je me suis offert ce petit gilet chez Pretty Wear. C'est un gilet violet. Donc voilà, j'avais envie vraiment de cette couleur, parce que je vais la porter avec beaucoup de choses. Et c'est un petit gilet que j'ai payé une trentaine d'euros. Il y est encore, hein, il est chez Pretty Wear, c'est un site en ligne. Et c'est typiquement le genre de maille, alors ça, que je porte avec le petit top en dessous. Et ça permet d'avoir une pièce élégante. Et pas, ça enlève la transparence du gilet parce qu'il est tout ajouré. Vous voyez, donc c'est vrai que là, il faut quand même impérativement mettre quelque chose en dessous. Et ça, moi, ça m'évite, comme j'ai un petit peu de poitrine et puis je ne suis pas très grande, si j'accumule trop de couches sur moi, je suis engoncée. Donc, si je porte, quand je porte un gilet comme ça, j'évite de porter un chemisier en dessous parce que sinon, ça fait tout de suite trop de couches. Donc, c'est pour ça que ces petits tops, pour moi, c'est l'idéal parce que ça me permet de porter mes chemisiers pratiquement à même la peau. Et puis, en plus, ça ne gratte pas. Après, j'ai choisi pour cette garde-robe capsule un pull en cachemire qui vient de chez Monoprix.
que j'ai reçu en cadeau de la part de ma fille à Noël l'année dernière, puisque mes filles connaissent mes goûts pour les mailles. Donc voilà, c'est un pull en cachemire qui est tout doux, qui est tout fin, et que je vais pouvoir assortir avec beaucoup de choses de cette garde-robe. Donc je suis vraiment très très contente d'avoir ce ton, cette tonalité-là dans ma capsule. Et puis bien sûr, le beige que je vais mettre avec tout. Alors, un autre gilet, là aussi c'est encore une acquisition récente, je l'ai aussi acheté chez Pretty Wear, c'est un gilet marinière, parce que ça je n'en avais pas et j'aime beaucoup beaucoup les marinières, j'aime beaucoup les rayures. Bon, c'est vrai qu'avec les marinières il faut faire un petit peu attention, moi les pulls marinières ne me vont pas parce que ça m'engonce, et du coup quand j'ai vu un gilet marinière, j'ai foncé parce que je sais que je vais le porter avec beaucoup de choses, et puis en plus j'ai adoré, il est tout doux, j'ai vraiment adoré cette pièce. Et là c'est pareil, hein, chez Pretty Wear, je pense que je l'ai payé 35€. Voilà, donc ça fait vraiment partie pour moi des petites pièces fantasy que je m'offre pour justement contrebalancer un peu les choses très classiques que j'ai. Alors on va passer aux chemisiers. Alors dans les chemisiers, j'ai 4 nouveautés. Celui-ci, c'est pas une nouveauté, c'est un chemisier en soie qui vient également de chez Daniel Angel, mais que j'adore, qui est dans un coloris cognac, qui est très très facile à assortir parce qu'il va aussi bien avec un jean qu'avec un pantalon beige, qu'avec un pantalon noir, un pantalon blanc aussi en hiver. Et moi je l'adore ce chemisier, en plus il est très féminin. Il y a des petits volants, bon, voilà, c'est vraiment la pièce, là aussi ça fait partie des choses qui ne sont pas données, mais que je garde depuis pas mal d'années. Et après là, je me suis acheté 4 chemisiers. Donc, il y en a 3 qui viennent de chez Captain Tortue, donc on va commencer par ça. Donc il y a le chemisier craie, alors ça c'est typiquement le chemisier que je porte très 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 souvent, parce qu'il va avec tout. Et comme je vous l'ai dit, moi le chemisier blanc ne me va pas parce que au teint ça me va pas très bien. Alors que ces chemisiers un peu beige, très très clair, vraiment crée, ça adoucit le teint. Après j'en ai pris un autre qui est toujours en viscose, qui est avec un imprimé un petit peu. Ce sont des fleurs, mais ça donne une impression de loin d'imprimé animal. Alors ce chemisier, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il a des tonalités d'automne qui vont très bien avec toute ma garde-robe. Du kaki, il y a du beige, il y a du rouge, donc vraiment c'est une pièce très versatile que je vais pouvoir porter avec beaucoup de choses. Je la porte avec un pantalon marine, avec un pantalon noir, avec un pantalon kaki, avec un jean, ça va très bien. Donc vous voyez, si je fais cette association par exemple, le blouson, cette chemise et le jean, ça choque pas du tout. Bon, enfin, moi j'aime beaucoup. Et ce chemisier va également très bien aller avec le blazer vert foncé, puisqu'il y a du kaki, donc ça rappelle vraiment les tons. Et je vais le porter avec le pantalon beige. Alors, ensuite, un autre chemisier qui vient de chez Captain Tortue. Donc là, ça c'est un coup de cœur. C'est vraiment, j'ai vu tout de suite que ce chemisier irait avec énormément de pièces de ma garde-robe. Et effectivement, vous allez me voir souvent habillée avec ce chemisier parce que je l'aime beaucoup. C'est toujours pareil, c'est de la viscose, il est en V, il est très 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 léger. Alors, il n'est pas oversize, mais il est traité un petit peu loin du corps. Ce qui fait que ça dissimule ce qu'on veut dissimuler, et pour moi, je trouve que c'est parfait. Et la dernière chose, là c'est un petit craquage mais qui n'était pas prévu, mais je me promenais dans les boutiques de mon quartier et je suis tombée sur ce chemisier qui était tout caché, il vient de chez ProMode. Il était caché dans un coin, je crois qu'il y en avait 2, quand j'ai vu les couleurs de ce chemisier, j'ai dit mais c'est génial quoi. Donc c'est pareil, c'est de la viscose, donc vous voyez c'est vraiment ça, une petite pièce qu'on peut ajouter à son dressing pour se faire plaisir et pour avoir quand même pas toujours, pour ne pas porter toujours la même chose. Et ce chemisier, ce que j'ai adoré, c'est le panel de couleurs qu'il y avait. Il y a du vert sapin, il y a du rose poudré, il y a du fuchsia, il y a du rouge et il y a du violet, donc, et du moutarde. Donc vraiment, typiquement, ça c'est vraiment la pièce que je vais pouvoir assortir avec énormément de choses. Donc avec ma veste vert sapin, bah écoutez, c'est parfait puisque on raccroche le vert de la veste. Avec mon blouson mort doré, c'est parfait parce qu'on tombe sur les tons chauds du moutarde. Je vais pouvoir le porter avec le chemisier violet
et je vais pouvoir le porter sous le pull vert ou alors avec le pull vert sur les épaules. Donc vous voyez, c'est vraiment, et puis bien sûr avec le jean, parce que avec le jean, ce genre de choses, ça va super bien. Et d'ailleurs, si je le porte avec le jean et la veste bleu marine, bah écoutez, ça ira aussi très bien. Donc ce chemisier, voilà, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur et j'ai adoré les couleurs, parce que ce sont des couleurs chaudes et en plus c'est vrai qu'on peut le porter avec énormément de tenues. Alors pour compléter cette garde-robe capsule, je suis partie sur deux sacs. Donc un sac fantasy, que ça c'est aussi un cadeau de ma fille pour mon anniversaire. C'est un sac en suédine camel, enfin beige clair plutôt, pas camel, qui est très très pratique, que j'aime beaucoup porter comme ça avec toutes mes tenues. C'est un petit sac très pratique, très fin, très doux et qui va s'accorder avec toutes mes tenues capsules. Et le deuxième sac, c'est un sac en cuir qui vient de chez Gérard Darrel, qui a une dizaine d'années, et c'est un sac qui n'a pas bougé et dont je ne me lasse pas. Je le prends avec toutes mes tenues parce que j'aime beaucoup ce coloris de sac, parce que ça va avec tout. Ça va avec du noir, ça va avec du beige, ça va avec du bleu marine. Donc plutôt qu'un sac noir, parce que c'est vrai qu'on a tendance souvent à acheter un sac noir, moi je préfère acheter ce coloris parce que justement il s'harmonise bien avec tout. Bon, après ça c'est mon goût, hein. Alors pour les chaussures, pour ma garde-robe capsule, j'ai choisi trois paires de chaussures. Donc les baskets que je porte, ce sont des Nero Giardini compensées. Moi j'aime bien les baskets un peu compensées. J'ai choisi une paire de bottines marron avec un talon bottier que j'ai prise chez Danielle Angèle, puisqu'elle a une gamme également de maroquinerie et de chaussures. Et là c'est une petite fantaisie, ce sont des bottines en nubuck vert sapin. J'avais trouvé ça très original d'avoir des chaussures vertes. C'est vraiment la petite fantaisie et je trouve que quand je les porte avec la veste verte, ça va très très bien. Là je vais pouvoir la porter avec la veste marron glacé aussi. Voilà, ça c'est vraiment des petits accessoires qu'on peut s'acheter pour se faire plaisir. Et vous voyez, en plus je ne les ai pas portées souvent parce que c'est quand même une couleur qu'on ne porte pas tous les jours. Donc elles n'ont pas bougé, elles sont impeccables. C'est des chaussures que j'ai depuis quelques années. Ensuite dans les accessoires, moi je suis très chapeau et béret. J'aime beaucoup ça. Là j'ai pris un béret noir et un béret un petit peu animal. Alors ce béret vous ne le trouverez pas puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, je m'étais amusée à une époque, je créais des chapeaux. Bon, maintenant j'ai arrêté parce que c'était vraiment un très très gros travail. Et j'avais gardé ce béret et voilà, donc ça c'est aussi sentimental. Donc je le porte aussi pour m'amuser, avec notamment quand je porte un manteau camel, je mets ce béret et un béret noir qui est très très facile à porter. Et je me rends compte en regardant ma capsule, alors c'est justement l'intérêt de faire du shopping dans son dressing, comme je dis à chaque fois, qu'il me manque un béret beige, un béret camel. Donc voilà, ça c'est à mettre dans ma liste shopping. Il me manque un blazer camel. J'aimerais bien trouver un blazer camel, mais je ne vais peut-être pas le prendre tout de suite, je vais attendre les soldes. Mais voilà, donc en faisant justement ce travail de shopping dans son dressing, ça permet d'aller dans les magasins de façon beaucoup plus réfléchie et de savoir ce qui nous manque. C'est-à-dire que là, quand je vais aller faire du shopping, je ne vais pas me diriger vers un blazer bleu ou un blazer rouge. Je sais que j'ai besoin d'un blazer camel, donc je vais aller vraiment voir ça. Et c'est pareil pour les bonnets. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. J'en suis quand même assez contente parce que ça m'a permis de faire de sérieuses économies sur mon budget shopping et en plus d'avoir des tenues abouties et très cohérentes. Alors les dernières pièces que j'aime beaucoup porter dans mes garde-robe capsules, ce sont les accessoires. Les foulards, on va en parler, et les bijoux. Donc là, je porte un collier Woubouillard. C'est une jeune marque française qui fait des bijoux en black et or, qui ne bougent pas, qui sont vraiment, d'abord qui sont très jolis, parce qu'ils sont très fins et ils ne bougent pas. J'avais ce bracelet, j'avais ce petit bracelet que j'avais pris au printemps, que j'ai porté tout l'été à la piscine, à la mer, et il n'a pas bougé, c'est du black et or. Et puis là, j'ai choisi pour cette saison ce petit collier donc, que je vous montre, qui est double rang, avec une feuille et puis une petite pierre verte. Donc ça va très bien aller avec tous mes chemisiers, avec justement ma capsule de cet automne.
Donc la marque Ouillard, ce sont des bijoux responsables, c'est une marque française, c'est une petite marque et je suis très très contente de pouvoir les mettre à l'honneur et de pouvoir les représenter parce que vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors ils font de l'argent, bon moi je porte pas de bijoux en argent, je porte que des bijoux dorés et les prix sont très raisonnables et vraiment c'est une très très bonne qualité, donc si vous ne connaissez pas je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Alors le dernier accessoire que j'aime beaucoup en automne, ce sont les foulards et les écharpes. Ce sont des foulards qui vont s'harmoniser parfaitement avec les trois vestes que j'ai choisies. Bon, ce sont des choses que j'ai depuis des années. Je ne peux pas vraiment vous dire d'où ça vient parce que je les achète quand je passe quelque part, si une pièce me plaît. Je pense qu'il faut y penser aux foulards parce que souvent on n'y pense pas. Et ça donne vraiment du cachet à une tenue parce que vous mettez simplement une veste bleu marine et un jean et puis vous mettez un joli foulard avec un bel imprimé, ça donne tout de suite du cachet à une tenue. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à me laisser des commentaires. Vous savez que ça m'aide beaucoup pour que YouTube m'aide à monter dans son algorithme. Et puis ça me fait très plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.